Hey, salut, c'est Seb. Je vous propose une petite course sur Assetto Corsa Competition sur forcément le DLC de la Nordschleife. Alors, ce ne sera pas une présentation, parce que je pense que vous avez certainement déjà vu 45 vidéos déjà. Alors, forcément, quand tu n'es pas présent tout de suite, après c'est compliqué hein, d'être visible. Mais bon, bref, je vous le fais à ma sauce. Donc, deux tours sur la Nord. On est en Ferrari 296, 40 concurrents, je suis 18 et l'IA est à 97 si je ne dis pas de bêtises. Bon alors je ne suis pas un adepte d'ACC, je dis pas que je l'aime pas, je le trouve trop limité dans ce qu'il propose. Il le fait certainement bien, bon, mis à part l'optimisation, ça on va pas revenir là-dessus. Mais non, j'ai moins de 500 heures, je crois, dessus. Deuxième. Oui, il y a la ramasse, tu es que ça a l'air court. On va mettre un poil de TC. Allez, on rentre dans le dur. P9. Bon alors je vais passer les banalités pour lesquelles je vais vous dire que la modélisation est super top, le FFB est bon, tout est super bien modélisé, que c'est du laser scan et patati et patata, je veux dire c'est devenu maintenant monnaie courante si ce n'est obligatoire pour tout ce qui est contenu officiel, donc on va se passer de ça. Je pense, enfin à mon goût, à mon sens, puisque avant de faire cette vidéo, j'ai retesté toutes les simus. C'est la plus belle version. Celle qui en jette le plus. Laisse-moi passer toi. La plus fournie en détail, la plus peuplée, la plus. Tout ce que vous voulez. C'est la plus belle. C'est normal, c'est la dernière en date sortie, donc je serais tenté de dire que c'est un peu logique. Là, ça passera pas.
Il lâche rien. Oh mais faut rouler monsieur. Allez, là, allez, là, allez. Bon, après, pour avoir cette, ces détails techniques, graphiques et tout ce que vous voulez, forcément, il faut pousser tous les curseurs max, donc... on fait pas ça avec une 2080 Ti, bien évidemment. C'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire que pour profiter au max effectivement de ACC, il faut une grosse grosse machine. Ça secoue, oh, il y a du beau monde là. Ouais, c'est passé. Sixième, pour l'instant on est vraiment pas mal. Au niveau graphisme, ce qui lui manque par exemple, c'est peut-être le feuillage par rapport aux saisons, comme c'est fait sur AMS2 et les modes d'Assetto avec Shader Patch. Je ne vois rien. Sinon au niveau réalisation, là il y a des endroits où c'est beaucoup plus peuplé hein, effectivement que AMS. Bon, je parle d'AMS parce que c'est l'un des derniers sortis et qui était déjà superbe. Allez là ça va être pas mal pour... Doucement. Allez, on va dédoubler ici, hop, ça passe, j'ai plus d'aspi. Ça nous met P5, le podium il est juste devant. Il va falloir se méfier parce que la température de piste va descendre à mon avis. Plus de soleil, à mon avis sur le début de la nuit. Je suis bienvenu.
le dernier tour. Alors, n'exagérons pas. Ah, il va me faire chier lui. C'était chaud, hein. Je l'ai vu freiner, enfin ralentir en tout cas. Allez, podium P3. J'ai l'impression que ça glissouille un peu plus, comme je disais tout à l'heure par rapport à la température de piste. Il va falloir que je me méfie. Le nombre de prises que j'ai déjà fait, je ne sais même plus si je vous en ai parlé. Mais comme quoi, il y avait une deuxième surprise sur... ACC sur ce DLC, c'est au début du circuit. Il y a un code barre à scanner. Je sais pas si vous le voyez de temps en temps, mais c'était au tout début. Et ce code barre annonce, enfin nous envoie directement sur la page d'annonce entre guillemets officielle du jeu qui va arriver et qui va être la suite entre guillemets d'Assetto. Donc ce sera Assetto Evo. Ça a été la grosse surprise et la grosse bonne nouvelle. Et c'était suivi par la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'était pour 2024. Alors on sait pas quand exactement, on sait pas comment. Mais ça, c'est cool. Ouais, ça glissouille plus ça. Il y a moyen de les prendre, hein. Si vous voyez à la caméra, la brume qui commence à tomber, qui annonce l'arrivée de la nuit. Allez, plein de bruit ici, à long gauche. Peut-être à l'occasion. Une ouverture. Ouais, une ouverture. Ouais, c'est chaud.
Oh, non, là c'est chaud. Hein. Alors, vu que c'est le dernier tour, je me dis au pire, assure le coup, attends la ligne droite. C'est une strat, une stratégie. Alors, je sais pas si mon calcul a été bon pour voir un petit peu les éclairages de nuit justement. Pas beaucoup d'erreurs, hein, l'IA. On va dire que j'en fais un peu plus que lui. Savoir les éclairages. On commence à plus rien voir. Là, ça devient. C'est à fond. Ah, regardez là-bas, tout au fond. Allez, faut que je me rapproche la ligne droite. Il est sorti vite. Ça va le faire. Oh, c'est pas dit, hein. Deux féfés comme ça. Il fait noir. Ça tourne quand ? Ah, c'est fixé sur le pont. On va pas faire que je me loupe. Hein. J'ai assuré parce que. Et voilà, on en arrive, terminé, P1. Pouh, c'était chaud. Et ben voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course, du fait que vous avez ou non acheté le pack, de ce que vous pensez du circuit, de tout ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, pardon. Et nous, on se dit à une prochaine. Tchuss.